Salut à tous, je suis Matt, le guitariste de Cracking Kellys. Merci de nous suivre à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne et nous rajouter un petit pouce vers le haut. Ainsi, vous pourrez suivre toute notre actualité vidéo. Comme je vous l'avais promis dans notre dernière vidéo sur notre EP Always New Days, je reviens sur le tournage du clip du morceau Roots Radicals. Roots Radicals, c'est un morceau de notre groupe mythique favori, Rancid, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez trouver le morceau sur leur album And Out Come the Wolves, sorti en 1995. Alors, ce morceau, c'est une des toutes premières covers de Cracking Kellys. Durant le Covid, entre les deux vagues de confinement, on a décidé d'enregistrer le morceau et de créer un clip. Alors pourquoi revenir sur le tournage de ce clip plus particulièrement? Simplement parce qu'on a utilisé une technique de tournage un petit peu spécifique. Si vous regardez bien le clip, vous verrez qu'on est survitaminé, complètement speedé, les images sont très épileptiques et un peu déformées avec un aspect très grand angle. Alors comment on a fait pour arriver à cet effet-là? Alors c'est très simple, on a filmé le morceau à la moitié de sa vitesse d'origine et puis on a doublé la vitesse au montage. Le tempo original du morceau c'est 184 battements par minute. Ça donne ça. J'ai divisé la vitesse du morceau par 2, on arrive donc à 92 battements par minute, ce qui donne ceci. Il ne reste plus qu'à se filmer en jouant le morceau à cette vitesse réduite. C'est pas un exercice facile, mais ça en vaut la chandelle. Alors, concernant la vidéo, voilà un rush à la vitesse réduite. Et maintenant, le même rush, doublé. Alors, pour avoir cet effet très grand angle, on a utilisé un objectif 10 mm fisheye qui a tendance à fort déformer l'image. On a tourné ce clip dans la cave de Pierre-Yves, qui était très très basse de plafond, avec une toute petite cage d'escalier. Le plus compliqué, ça a été évidemment de descendre le gros ampli basse 8x10 Ampeg. On y est arrivé malgré la taille de la cage d'escalier. L'autre petite complication, c'était de tenir debout, le plafond était très bas, donc sauter, c'était absolument pas une option. Voilà pour le tournage du clip de Roots Radicals. Alors vous pouvez retrouver ce morceau uniquement sur notre Bandcamp. Je mets l'adresse en description. Et vous pouvez évidemment regarder le clip dans son entièreté sur notre chaîne YouTube. Je mets également le lien dans la description de la vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier notre ami Ludwig Pinchard. C'est le cadreur qui nous accompagne depuis plus de 5 ans, depuis le tout début du groupe. Il n'y a pas un seul clip du groupe sur lequel Ludwig n'a pas travaillé. Un tout grand merci. Il est aussi musicien, vous pouvez aller voir les morceaux de son groupe The Banging Souls. Attention à ne pas vous décrocher la nuque. Alors un tout grand merci à toutes et à tous de nous suivre. Notre tournée 2023 est en train de se construire. On vous promet des dates évidemment en Belgique, mais également à l'étranger. Si vous voulez nous écouter, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Si vous voulez nous suivre en vidéo, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, ainsi vous serez informé de toutes nos nouvelles sorties. Pour les amateurs de Noël, nous venons de sortir notre tout nouveau clip Holiday Season. C'est un morceau plus traditionnel, acoustique, en mode session irlandaise. N'hésitez pas à le partager avec toutes vos connaissances. A bientôt et joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve l'année prochaine. Ciao !